Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Maman pas organisée. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc là, on est devant ma machine à laver. Donc je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir bien nettoyer votre machine à laver. Et je ne vais utiliser que des produits Action. Donc comme ça va me permettre moi aussi de bien nettoyer mon tambour. Là, ici en bas, hop, je sais pas si vous voyez. Vous savez, le petit réservoir qu'on a ici. Et le petit, hop, comme ça, et le tiroir, parce que c'est vraiment du n'importe quoi. On va commencer par nettoyer l'intérieur du tambour. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, donc on va voir le résultat. Et je vais me munir du fameux produit, anti-moisissure et détachant, et bien évidemment, de ma brosse à joint. Donc ça, on commence. Donc là, j'ai bien frotté et du coup, je vais prendre une petite lingette comme ça. Donc faites attention, ce produit-là, hop, il est où? Je ne sais pas où je l'ai mis. Il est là. Donc celui-ci, faites attention, il est très dangereux. Il sent très très fort. Donc voilà, ne faites pas comme moi, mettez des gants. Moi, je ne supporte pas les gants. Donc du coup, ne vous amusez pas à vous brûler. Et là, je vais venir juste enlever le surplus. Hop, du produit. Bon, ça va, elle n'est pas si sale que ça. J'avais eu peur. Je vais tester du côté blanc pour comme ça on va mieux s'en rendre compte. Si vraiment elle était sale ou pas. Non, ça va. Donc là, j'ai fini l'extérieur. Là, ça fait un moment que je vous dis comme quoi je ne l'ai pas fait. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir le petit tambour en bas et on va voir ce qu'on va trouver. Donc là, on va venir nettoyer ici. Donc vous prenez un plateau, vous savez que vous avez dans les fours, donc moi ça c'est un ancien. Vous venez le mettre en dessous, d'accord? Mais je vais quand même mettre une serpillière en dessous au cas où. Mais normalement, l'eau devrait s'égoutter par ici. Donc comme ça, après vous avez juste à le prendre et à jeter dans l'évier ou dans vos toilettes. Donc ça c'est vraiment très pratique. Allez, on va commencer. Thank you.
voilà, là j'ai bien nettoyé mon petit tambour, donc là c'est une éraflure, hein. On peut pas. Et du coup, là, je vais vous montrer toute l'eau que j'ai récupérée. Donc ça c'est top, et maintenant il n'y a plus qu'à jeter dans les toilettes. Donc là j'ai enlevé le tiroir et je vais venir utiliser la Pink Stuff spéciale salle de bain pour pouvoir la nettoyer. Donc je vais venir juste pulvériser et frotter avec la brosse à joint. Donc une fois que j'ai fini de la nettoyer, je vais la laisser s'égoutter un petit peu et on va nettoyer à l'intérieur du tiroir. Allez, c'est parti. Alors, toujours pareil, franchement, à l'intérieur, elle est vraiment sale. Je vais continuer à utiliser celui-ci. Et on reprend la brosse à joint. Et du coup, là, on va venir nettoyer le hublot. Et pour celui-ci, je vais utiliser, bien sûr, le cleaner. Donc, celui-ci, il est vraiment génial. Je vais venir en mettre de partout. Hop. Et je vais utiliser, bien sûr, mon éponge favorite, l'éponge en microfibre. Donc là, la machine à laver, elle est plus que propre. Donc ça, c'est super. Et pour finir le lavage, donc ce que je vais faire, c'est utiliser le cleaner pour machine à laver. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout dans le tambour et je vais lancer un cycle. Donc c'est parti. Donc la machine a fini. Ça sent bon le citron. Donc voilà les amis, ma vidéo se termine ici. En attendant, je te fais d'énormes bisous. N'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao !